Et bonjour à tous, bonjour YouTube, la suite. Oh, on espère qu'aujourd'hui ça va mieux jouer, hein. Oh, j'ai dormi 8 heures là, entre le... là et le précédent épisode. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Ah putain. Il vous dit des mensonges. Hop là. Boire de la badoie sur fond de déjà vu. C'est même pas de la badoie, c'est de l'eau de robinet. J'ai même plus d'eau gazée, gazéifiée. Je suis tellement triste. Ok, là il y a un petit canard. Ah mais là c'est plus facile de faire ça, putain, mais qu'est-ce que je suis con. Enfin, j'étais vraiment con dans l'épisode d'avant. Mais ça c'était avant. Alors, voilà, vous savez pourquoi, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mieux fermer sa gueule. Hein. C'est exactement pour ça. Mais putain, je vois pas. Mais je vois rien! Allô, les yeux! Bouh! Vise les yeux! Bouh! Tiens, fils de pute. Pardon, en tout bien tout honneur. Les gros mots, c'est chez vous. Bon, alors, moi, je veux juste me concentrer pour savoir, voilà. Ah, c'est la vie. Nice. Tout ce monde. Ah, vous êtes nombreux, hein? Vous êtes nombreux. Oh oui. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, mais oui. Et hop là. Et voilà. C'est vrai que si on reste appuyé sur le bouton A, hein, c'est plus simple. On peut descendre là. Oui. Oui, bonjour. C'est beaucoup plus simple, hein. Ah, petite sauvegarde, la Reda qu'on adore. Eh, on nous dit qu'on peut descendre là. C'est un prank de mort? Pas du tout. Donne-moi l'argent. Un côté épique à ce stream, incroyable. Ah, mais je vais me faire strike. Est-ce que ça vaut le coup, ça? Attendez. Ok, je dois pouvoir descendre. Hop! Yes. C'était donc ça, le move. Il plonge sous l'eau. Ah, il y a un passage sous l'eau qui est dégueulasse. Me dites pas que c'est là. Il faut écouter la musique. Ça sert à rien maintenant. Parce qu'après, il faut entendre la musique, je crois. N'est-ce pas, non? Ah, c'est un gratouille, ça me chatouille. Mais normalement on entend, il y a une différence de musique si c'est le bon chemin, si on s'approche du bon chemin, je me souviens de ça. Ah, ça me chatouille, ça me gratouille le nez. Ah. Donc putain, ça sert à rien depuis tout à l'heure, je suis en train de faire des trucs qui servent à rien. Ok. Pourquoi tu joues à l'écho? Putain, il y a un peu de ça. Donc là ça sert à rien. Donc ici en fait ça sert à rien. Toute la grotte de Hurlevent, j'ai... Il n'y a pas d'endroit que j'ai pas fait. Donc faut que je me casse. Je peux monter en étant dans cette catacombe. Ok.
Il y a tellement d'argent. Il y a tellement d'argent à se faire là. Un petit saut. Un petit saut, vous êtes chaud pour un petit saut. Oh, je suis full life. La technique du bourrin, hein, des fois ça passe pas. Si... Ne faites, ne reproduisez pas cette technique chez vous, c'est une technique avancée. Ah mais non ! Oh ça, je suis dégoûté par contre. Ah oui, j'ai envie d'aller prendre les sous. Vas-y, je prends les sous un peu. Hop là, hop hop. Nice. Allez hop, on y va. A bientôt. Merci pour l'argent. Alors j'espère que c'est ok. Oh nice. De la vie. Et ouais, je joue grappin, ça y est. Bon alors du coup, catacombe. M'a-t-on dit. Alors est-ce que j'ai un raccourci pour aller aux catacombes? Ah, ça me remet directement dans le futur. C'est ça les catacombes du coup? Non. Ça c'est quoi? C'est les enfers. Plateau torride. J'ai ça. C'est une carte du monde. Ah oui! C'est vrai. Tour du temps, temple de la mélancolie, jungle de bambou, grotte de hurlevent, marais. Plateau torride, bas infernal, pic glacial, les catacombes. Colline automnale ou temple... Ah oui, c'est après les collines automnales. Bon, en fait, c'était ça. Me semble-t-il. Oui, donc là, je vais full est. Ça va aller au temple de la mélancolie, mais j'aurais accès aussi aux catacombes. Oh, il y a un saut sur le chemin. On est chaud ou pas? Il y a un saut sur le chemin. Oh, moi, je ne réponds plus de rien. Et vous avez prévenu, hein. Ah, mais putain, je réponds plus de rien, moi. Ouh. Ok, par là, on remonte. Ah bah du coup. Eh mais on retourne avec nos histoires de par là, dégueulasse. Qu'on a fait au début du stream en fait. Vous avez vu, on a beaucoup progressé. Mais...
que je peux truander là? Pas vraiment. Ah, ça a l'air de puer tellement la merde. Oh, je suis pas chaud pour le saut. Je vous avoue, je passe chaud. Désolé. Désolé de vous décevoir. Oh, mais il y a un passage là aussi. J'ai tellement pas vu. Oh ouais, esquive. Salut Clovinux. Ah putain. Ah voilà, mais si vous me déconcentrez aussi. Ah, c'est vrai qu'il a 3 PV lui. Alright. J'arrive à se fier, quelle honte. Ah ça va, on est fatigué. Hein. On a beaucoup... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Et donc on est à côté de la salle verte, enfin au niveau de la salle verte, là on peut descendre d'un cran. Toutou. Hop là, pour le plaisir. Regardez. Vous avez vu? Vous avez les moves que je fais? Si on peut se faire des excuses. Ah, c'est qu'on n'avait pas réussi à descendre, c'est ça? Putain, je sais plus. Ouais, c'est ça, on n'avait pas réussi à descendre. Tac 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 tac. Oh là là. Oh là là. Faut continuer. Tou pou 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 pou. Allez, nouvelle, enfin, on retourne sur cette zone et il faut aller dans les catacombes, on nous a dit. Ah oui. Ah oui, mais on l'a pas du tout fait, ça, du coup. On l'a pas du tout fait. Oh bah tiens, un Pokémon. Hey, c'est encore toi. Merci de m'avoir sauvé. Ah, je cherche mes collègues, Acro, Claustro et Pyro. Ah, c'est le... Ah d'accord, c'est l'endroit des Pokémon. Mais du coup, en faisant ça, et en revenant en arrière, on fera les catacombes, calmez-vous. Mais là, j'ai peut-être moyen de descendre. Maintenant que je suis dans le passé, du futur, du présent. Tout est possible. J'y crois à mort. Hop là! Petit shuriken dans le fion. Touti touti tout tout tout. On a droit. Je prends l'argent. Yes. C'est vrai. Oh là là, incroyable. Et donc maintenant voilà, j'ai accès à ça. Pour un saut, c'est mort, ça c'est sûr. Ah merde, je peux pas. Je n'ai pas l'attaque vers le bas, je peux pas faire une attaque chargée vers le bas. Ah, peut-être que si je fais ça. Oh là là. Genius. Bah. Ah, mais non, grappin. Là, c'était grappin. C'était moment grappin.
Et du coup, c'est pour un saut de mort. Oh, on n'est pas là, on n'est pas arrivé ici pour rien. Bah non, en fait. Ah, mais là, il y avait déjà eu l'éclat de génie, donc... je pouvais pas faire plus. Putain, mais... Ah oui, d'accord, c'est que ça m'a... En fait, ok. C'est que, en fait, en faisant le coup de grappin, ça m'enlève ma cape. Et ça, je l'avais pas bité encore. Allô? Non, tu joues grappin depuis 20 minutes. C'est vrai. Ça va. Moi, j'apprends les boutons un par un. Mais c'est dispensable. Hein. C'est quoi? Si, quand même, ça, je vais prendre ça. Ça, c'est pas dispensable, par contre. Ah, mais putain, faut que je rappuie. Et non, faire. Mais pourquoi tu te peux t'être éteint? Il est très calme. Tout ça pour un saut, on s'en bat les couilles des sauts, hein. Vous le savez, hein. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien dans le jeu. Mais c'est pour le plaisir, hein. C'est pour le plaisir d'avoir envie. Non, 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 c'est un cadeau tout pourri. C'est un cadeau, c'est nul à chier. C'est le pire truc du jeu. Ça sert à rien, c'est nul. Merci. Bon, ok. On peut revenir, quoique. Ça pourra. Alors, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais je sais que c'est nul. Par contre, du coup... À gauche, on peut redescendre. Et c'est fou, j'ai l'impression que je redécouvre des trucs. Tout le temps. On peut continuer. Ah putain. Sérieusement? Oh, y a encore un saut de ses morts. Mais en bas. En bas, faut être dans le futur. Oh putain. Oh, regardez. Vous voyez, juste au-dessus de mon personnage, il y a un symbole de saut. Pour nous indiquer qu'il y avait quelque chose à récupérer. Ah oui, c'est celui-là, le pourri, là. Le pire saut de l'univers. First try! Ah, si c'est pas de la grosse chatte, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Incroyable! Mais putain, mais j'avais pas vu qu'on pouvait descendre là, tout à l'heure. C'est complètement fou, ça. J'avais pas vu qu'on pouvait descendre là. Est-ce que ça vaut le coup? On va essayer.
Ah, c'est peut-être parce qu'il y a Clovinou puisque je joue, ça y est, que j'ai fait des trucs. Je t'en porte bonheur, peut-être. Incroyable. Attendez, je prends les trois pièces là. Ça va voir les Cayenne et ça, ouais. Mais encore ? Putain, mais. Mais ça m'étonne de pas avoir vu ça là. Peut-être parce que je cherchais juste les portes bleues. Désolé les gars, où ça sert à rien. Je peux plus vous donner pour qu'il banne. Putain, c'est que j'avais pas vu qu'on pouvait descendre. Ça m'étonne. Putain, et putain, ça sert à rien. Je suis sûr que ça sert à rien. Ah oui, je suis en train de réfléchir, donc du coup forcément je m'en prends plein la gueule. Ah, c'est que je peux pas là. Si, je peux. Ah si, avec les flammes, ok. Ah non. Chaude tellement pas assez. Ça m'a l'air tricky pour pas grand chose. Attends, bah du coup si regarde ça. Donc là on est en mode 8 bits dans le passé. Et quand on est en 16 bits dans le futur ici. Il y a également changement de musique. J'ai pas vu. J'ai tellement pas vu que je pouvais passer vers la flotte. C'est vrai que ça, hein, c'est pas mal, hein. Bravo, hein, merci. Merci pour tout. Heureusement que vous êtes là. Hein. À la vitesse, à la vitesse de l'éclair. Il passe dessous. J'avoue que là. Ah mais je vous assure que si j'arrive à dormir, ça se passerait pas pareil. Tout ça pour dire que je peux pas passer. Et on est d'accord que je peux pas passer, hein. Putain, c'est mort. J'ai pas encore loupé un truc. Dans deux secondes, on va me dire qu'il faut que je fasse demi-tour, mais... Waouh, la torpille. On l'appelle la torpille dans le milieu. Allez, monte. Bon, bah, on va aller dans ces foutus... Je me suis pris le truc. Ah ouais. Alors faut pas les taper eux, hein. Sinon ça va nous faire chier. J'avoue moi aussi. J'étais donc le caps lock. Indeed.
Oh bah. Alors ça alors. Ça c'est quand même incroyable de te faire péter le fion comme ça. Bon allez. Retour chez les Pokémon. J'ai l'impression qu'on fait juste des allers-retours de merde. Cherchez des notes de musique qui sont cachées dans tout l'univers. En gros. Non, non, mais pourquoi vous croyez... Pourquoi vous arrêtez pas de vous excuser comme si vous disiez des trucs méchants aujourd'hui? Du coup, là-bas, putain, on va y arriver, hein. Non, en fait, du coup, ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'il y a une première phase où on est dans le passé, on fait tout le jeu dans le passé, après on passe dans le futur, on fait tout le jeu dans le futur, et après, il y a un crossover entre les deux... Entre les deux versions, il faut retourner dans tout le jeu pour aller chercher les fameuses notes de musique. Mais sauf qu'il y a des passages qui sont accessibles que dans le passé, et des passages qui sont accessibles que dans le futur. Et donc du coup, bah, t'es obligé de revenir et repasser pour essayer de trouver les endroits où t'as pas pu aller, etc. Ce qui est un peu le foutoir. Ça peut évoluer. Ok, on est sur le bon chemin. Donc. Les fameux Pokéfions, là. Hop. Alors, je sais pas s'il faut être dans le futur ou dans le passé, ou dans le présent du futur du passé. Oh, genius. Il y a un truc à droite, mais c'est quand il fera un pont, je suppose. Quand j'aurai sauvé tout le monde. Ah. Descendre jusqu'au catacombe. Oui. T'as toujours la question qui me turlupine, c'est de savoir si on y va dans le futur ou dans le passé, ou dans le présent du futur, du passé, du présent. Je sais pas. Alors a priori, ici il va y avoir un truc et une porte en bas à gauche, ici on va pouvoir monter. Ici encore, ici encore, ici encore. Ok, c'est pas... la zone n'est pas trop grande. Vous pouvez sauter aussi. D'accord. On va y aller dans le futur. Descendre là, il faut descendre de toute façon. Comment savoir Miles de dessous? Ok, faut être dans le passé. Évidemment. Putain, relou. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est un... C'était un death... C'est pour aller plus vite, vous savez. Ah! Il y a moins de détails en 8 bits dans le passé, donc du coup, c'est... On voit mieux les ennemis.
Oh mais non. Attention à pas tomber hein. C'est l'entreprise française qui récupère tous les droits d'auteur. En fait, le petit mob, c'est quand tu meurs, il arrive et il pique tout le pognon. Il pique tout le pognon que tu es censé récupérer. Donc du coup, on l'a appelé la SACEM. On a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour ici. Ok. Petit point de sauvegarde. D'ailleurs, j'ai moult sous. On parle de SACEM. Alors, attendez. Améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Réduire les commissions, justement, de Quasimodo de 50% aux F. Ajoute un compteur sur la carte du monde indiquant le nombre de sauts de pouvoir restants dans chaque région. Ouais, bof. Et là, ça nous marque les emplacements. On va plutôt partir là-dessus. Au point de passage, vous rechargez vos 5 premiers cristaux de santé et toutes vos charges de ki. On aura accès maintenant au don de guérison spirituel santé plus 1. Et ça coûtera combien? Pas si cher. On y est bientôt. Très bien. Tu connais l'actualisation? Eric, ce stream... C'est spécial quand même. Je me rends compte que c'est spécial. Ok, descendre. Ah ! Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. C'est vrai qu'entre l'actualisation Pôle emploi et l'actualisation F5, on a bien fait de d'avoir une emote F5. Incroyable. Bon, c'est nouveau ici. Ça pue. F5 qui rapporte 400 balles. Ah, les fameux. Mais quel est cet endroit? Mais je suis de retour dans les collines automnales. Quel enfer! À quoi ça me... C'est juste un passage. En fait, on s'en fout. Y a pas de pub sur mes vidéos. Ça vaut même pas le coup, Malkavian, mais bien joué. La strat est bonne. Voilà, t'as réussi à aller où tu voulais. Super! Incroyable.
juste pour le beau jeu. Putain, mais ça sert à rien. Quel enfer. Donc du coup, là-bas. Putain, j'ai l'impression de tellement pas avoir avancé. Oh là là, avoir avancé, pardon. Oh bah, s'il y a encore des sous. Faut avoir du courage avec vous des fois, hein. Tout comme il faut avoir du courage pour être sur ces streams. Alors, attendez, faut que je vérifie. Ouais, c'est bien par là. Mais il est bloqué comme un gros con. Belle esquive. Putain. Putain. Vous avez des bonnes idées, hein. Putain, je regarde pas les squelettes de mort. C'est loin en plus. C'est bien foutu, hein. Quand on fait la première exploration... voilà. On n'a pas là, cette impression de... Enfin, on a un point de sauvegarde assez rapidement. Et c'est bien foutu. Alors, attendez, si je remonte, on s'en fout. Non, faut que j'aille full à l'est. Ok. En espérant être dans la bonne temporalité. Ah, j'ai hésité. Dans la vie, on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit d'hésiter. Ah oh, putain, bâtarde, t'es mort. Ok. Ah, c'est vrai que le langage... C'est le pire truc qui se... Voilà, c'est bon. On y va tranquille. Ok. Ah, c'est pour le beau jeu, c'est pour vous que je fais ça. Vous le savez. Parce que moi, quand je joue chez moi, tout seul, je suis très fort aux jeux vidéo. Là, faudrait être dans le futur. J'ai vu le passage, faut être dans le futur. Et là... Ah, je peux même monter.
Monter pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais reviens là. Il le tue. Venez, petite chauve-souris. Je vous tue. Allez, petites échelles là qui vous indiquent qu'on peut descendre. Bonjour. On n'a pas la lanterne. En fait, je suis allé à tous les endroits du jeu qui servent à rien. Et je vais jamais me rappeler qu'il faudrait y retourner après. Pas encore tout, je crois. Putain, mais... Est-ce qu'on va avancer? Moi, tout ce que je veux, c'est des notes de musique. Moi, tout ce que je veux, c'est des notes de musique. Ah, ça me gratouille, ça me chatouille. Bon, je monte. Mais pourquoi tu descends aussi bas? Vraiment? J'ai pas le temps, moi. J'aimerais juste avancer. Super. Super. Allez. Allez, je suis pas dans la bonne temporalité, hein, on le sait déjà. Oh, ça va, je peux passer. Incroyable. Là aussi, ça sert à rien. C'est garanti. Demain, bon courage, Plovinux. Merci d'être passé. Des zoubis. Ah, ça, c'est bien une petite sauvegarde. Ah oui, c'est vrai que ici... Putain, un saut de ses morts. Mais je m'en fous. J'en veux pas de vos sauts. Ils servent à rien. Gardez-les. Tout ça pour ça. Oh. Bon, il était pas trop relou à choper, mais quand même. Alors, oulala, j'ai loupé des trucs. Oh là là, je suis allé trop vite. Enfer. Ah, je... Ouais, je peux pas, du coup. Mais parfait, parce que ça a sauvegardé juste à côté. Donc ça, c'est OP. Et donc, c'était au-dessus de là. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et en plus, après, il n'y a rien d'autre. Sinon, avance vers le boss. En futur, il y a un truc. Ah! Attends.
Mais il est où le boss en futur? Ah, il est il est là, tout à droite du truc. Bon, attends, alors, vaut mieux aller voir juste au-dessus de moi, là. Merde, c'est pas ce que je veux faire. C'est juste au-dessus de ça. Heureux. C'est qu'il y a une... Putain, mais je comprends rien. Ah, j'ai pas compris. Je pensais que tu t'en allais. Ah d'accord, là-haut. Ok. J'ai vu. Enfin, je pensais que je passais au travers, mais pas du tout. Merde. Ah ! L'idée était là. Alors je sais pas si je pouvais m'accrocher. Putain, merde. T'as un coup de grappin. Mais alors, tu t'accroches pas, petit con? Petit bâtard! Mais petit bâtard, t'es mort! Petit bâtard, accroche-toi! Oh! De toute façon, on peut pas y aller. Alors, si c'est en plus, tu t'en souviens pas, c'est que ça sert à rien. Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça à moi? Du coup, je vous jure que je... C'est bon. Pour un saut. Ouais, mais je grappine, j'appuie, mais... Et c'est quoi la technique normalement pour le... Quoi? Quoi? Ah oui, d'accord. Bon, j'ai vu. Ça a l'air vachement chiant. Ok. Parfait, parfait. Bon, on est en train de faire tous les sauts du coup. Donc, direction le boss. Soit involontaire, tellement. Dégage, petite chauve-souris. Mais du coup, je me dis qu'il y a des trucs que j'ai loupés. D'accord, super. Super, hein, je vais me prendre toutes les boules de nécro. C'est pas grave, là, ouais. Nouvelle catégorie. Et donc, du coup, il y avait... Mais je tape avec mon épée. Que dalle.
Je vous avoue que ça pue tellement la merde. Hein. Le 1 PV. Nice. Ouh, 540 balles. Bon, au moins, on se fait des couilles en or. C'est déjà ça. Ouais, plus en santé. Les potions vous soignent totalement. C'est bien. Je pense que voilà. C'est scripté. Oh, qu'est-ce que c'est donc-t-il donc ? La dernière demeure de Ruxtin. Il semblerait y avoir un mot adressé au messager. Cher messager, si tu lis cette lettre, alors mes calculs étaient exacts et tu as voyagé 500 ans dans le futur. J'étais sincère en disant que je ne servirais plus le mal. J'ai d'ailleurs prévu que mes reliques servent à ta cause. D'abord mon amulette, elle est à toi. Puisse-t-elle te rappeler qui je fus. J'ai aussi laissé mon bâton au sommet du pic glacial. Il t'obéira tant que tu porteras mon amulette. Enfin, j'ai arpenté les catacombes et je pense avoir trouvé un passage secret vers une nouvelle région que tu devrais explorer, bien qu'il y règne une obscurité totale. Cherche le passage secret dans la salle avec deux chauves-souris et une plateforme mobile. C'est bon, on a trouvé. Bonne chance pour ta quête. Vous avez reçu l'amulette. Elle sert à activer le bâton de nécromancien. Mais où est-il? D'accord. Alors, est-ce que c'était utile de faire ça? Je sais pas. Alors, en tout cas... carte du monde. C'était pas si utile que ça, désolé. Pas de soucis. Dans les collines automnales... Est-ce qu'on est allé voir le boss? Oui, mais il y avait rien d'autre. Ok. Tour du temps... Temple de la mélancolie. Voilà, pour le moment, le temple de la mélancolie, il est pas activé. Donc, le jungle des bambous, ça semble un bon bail. Peut-être mieux d'y aller dans le futur. Dans un premier temps. Et là, ouais, il y a pas mal de trucs qu'on a... Enfin, pas mal. Il y a quelques trucs qu'on n'a pas fait. Ah, c'est vrai que j'ai un indice, hein, parce que moi, voilà... Quand l'oiseau reviendra au nid, il apprendra le pouvoir de la vision infaillible. Ah, on comprend rien. On comprend rien, vos indices. Hein. Père Fouras, on comprend rien. Ah, c'est déjà l'heure, non? Il doit être 16h, non? Oh. Ah, c'était là que le jeu se foutait de notre gueule. Faut acheter des vrais indices aux vendeurs. Ok. Bah cela dit, en explorant tout aussi, on finit par les trouver normalement, les notes de musique. Avec la map, en essayant d'aller à toutes les zones non explorées. Allez, ça va être un saut. Ah non, de l'argent. Bah, de toute façon, faut tout faire. Donc, okay. Hop. Encore un saut de ses morts. Est-ce que ma technique de tout à l'heure de plonger là-dedans peut fonctionner? Mon glitch de tout à l'heure? Non. Ok, faut que j'aille tout là-bas. Merde. Oh, ta mère. Et... Vous avez vu, il est resté accroché au truc, genre tranquille. Moi, je suis accroché au mur avec des pics, tout va bien.
Tout va bien, tout va bien. Putain. Incroyable, quel connard. Quoi? J'ai pas appuyé sur les deux. Et j'y crois pas du tout. Est-ce que je peux mourir? Est-ce que je peux me suicider? Non. Ah ouais, non, mais fallait plus vite que ça, hein. Faut calculer tous ces coups. Ok, j'ai bon, je l'ai. Bah ouais, lent comme une... je sais pas. Mais lent comme... Comme le parfum. Merci, bonsoir. Je me produis à tous les zéniths. N'hésitez pas à venir me voir. Une phrase, une blague. Ok, faut pas que je m'arrête. Allez, lali, loulou. Mais putain, mais pourquoi tu sautes, quel... Trauma crânien. Ok, les PV étaient là-bas, c'est pas grave, de toute façon... Au pire, on meurt écrasé, donc on s'en bat les couilles. Et bon, je l'ai, je vous avais dit que je l'avais. Ok. Ah, mais cela dit. Merci. Donc, les indices du marchand, sinon. Mais alors, conseil. Ah, j'ai du mal à comprendre la prophétie. Je peux peut-être t'y aider. Qu'a dit le prophète? Quand l'oiseau reviendra au nid, il apprendra le pouvoir de la vision infaillible. Ce prophète devient un peu plus bête chaque jour. Je serais ravi de l'embêter et te venant en aide, mais il me faut vraiment 300 éclats temporels. Quel bâtard. Quel petit bâtard. Allez, à bientôt. Mais me semble-t-il que c'est la fin de cette VOD incroyable, mais vrai. J'espère que vous avez apprécié le contenu, YouTube. On a beaucoup tourné en rond, mais à la fois on a avancé, on a gagné plein de sauts. On a combien de sauts? J'ai encore brisé 34 sauts, oh là là, j'en ai eu tellement, j'en ai eu vraiment beaucoup, hein. J'ai 11 sauts à mon effigie. Des bisous YouTube, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur The Messenger. Et je pense qu'un jour j'aurai dormi et je pense que j'arriverai à mieux jouer au jeu. À bientôt, des bisous moi. Hein.